Salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur FIFA 14, la carrière avec le Leyton Orient. Et aujourd'hui on va faire donc 3 matchs comme d'habitude, le match contre Birmingham. Enfin, ensuite on arrivera au début du mercato, on fera le match retour contre Aston Villa. D'ailleurs c'est le match retour contre Birmingham. Match retour donc contre Aston Villa et le match retour contre Blackburn Rovers. Et on s'arrêtera là, putain on va choper Arsenal. Ah non, en Capital One, Arsenal. Ah oui, c'est vrai que c'est en deux tours la Capital One. Quelle merde. Quelle merde. Pour une coupe qu'on joue pas, quand on arrive en demi-finale. Et on aura le début de la FA Cup contre Sunderland. Bah, notre adversaire contre lequel on avait gagné en finale d'ailleurs de FA Cup la saison passée. On va. Ça va être la revanche. Ça va être la revanche, ça va chier. Donc, on va faire la conférence de presse où on va motiver notre équipe. Je veux pas savoir. Motive, je veux pas savoir. L'équipe est en forme. Ça va. L'équipe va bien. On a toujours, toujours des blessés à l'infirmerie. Des blessés et des convalescents. On a toujours Cuthbert là qui est toujours un petit peu moyen. Et on va mettre ça. Et blablabla blablabla. Est-ce qu'on se rentre du Fiola? Ou du Cuthbert peut-être? Non, allez. On va faire confiance aux gens qui sont là, aux cadres qui sont là. Et on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Allez, on est parti comme ça. Pour ce match contre Birmingham, le premier. Après, on a quoi? Une petite trêve, une semaine. Une semaine de trêve et après, on a Aston Villa. On va aller à la villa d'Aston. Allez, il pleut. Il fait un temps dégueulasse. Ça fait plaisir, hein. On aime bien quand il fait un temps dégueulasse. Il pleut souvent en Angleterre. Hein. Ça joue. Ouh. Ah, ça c'était joli ça, Watt Prowse. Ça c'était joli. Dommage que personne t'ait suivi, mon grand garçon, parce que. Ça c'était vachement, vachement bien joué, mon petit loulou. Ah, ça aussi c'est bien joué. Ça pour Odu. La frappe d'Odu. Putain. C'était quoi ce boulet de canon qui m'a fait? C'est quoi ce boulet de canon d'Odu là? Il m'a sorti une petite frappe d'une puissance incroyable. Ah ben, c'est le rebond qui est vachement puissant. Je me disais, putain, le ballon est parti à une vitesse. Bossetti au coup franc pour la tête de Clark. Ouh! C'est dévié par le joueur au premier poteau. C'est dommage. Là, il est tombé. Il est tombé, mais Martin dans sa chute. Salopard. Bien joué. Ça c'est. Ça c'est bien joué. Oh, le poteau. Non. C'est quoi cette vieille frappe? C'est quoi cette vieille frappe, les gars, là? Ah, vous entendez bien le match, mais par contre, là, ça va pas, là. Allez, pour Winslow, ce coup-ci, Winslow. Putain, le gardien, il est chaud. Le gardien, il est chaud, parce que là, il a pris quand même quelques bonnes frappes, là. Le gardien, il est chaud. Il a les réflexes, là. Là, il a les réflexes, les gars. Le gardien, il a les réflexes. La tête, peut-être. Non, tombé. Main. Ah, j'ai fait une main. J'ai fait une main, tant pis. Doyle, il est chaud patate, Doyle. Doyle, il va nous faire un match de fou. Du coup, on va pas marquer de but. Ce qui est un peu emmerdant. Oh non, il n'y a pas faute. Oh, c'est dégueulasse. Elle est pas ici, la faute. Hein. Elle est plus en bas, là. Oh, tu triches, toi. Il triche, le mec, là. La faute, elle est pas là. Elle est plus en bas, monsieur l'arbitre. Voilà, elle est plus là. Allez, le ballon qui n'a pas de vitesse. Elle est un peu trop tardive, ta passe. Ça c'est. Elle est un peu trop tardive là. J'ai demandé 10 ans avant, mon grand garçon. Bien joué, Sawyer.
Ça, c'est de la bonne défense. Un beau pass. Hein. Carton. Carton. Ah non, pas grave. Le tacle glissé, il était glissé. Il était glissé, là. Bon, il a à peine éraflé, donc... ça valait pas un carton. Mais par principe, on dit carton, parce que c'est l'autre équipe. Alors, il est sympa, ça, c'est, hein. Mais qu'est-ce qu'il fout, en fait? Et pourquoi, c'est quoi son travail dans sa vie, ça, c'est... C'est l'équipe à battre, celle que tout le monde rêve de faire chuter. Une très bonne saison pour l'instant. Je comprends pas des fois qu'est-ce qu'il fait, ça c'est là devant. Je sais pas pourquoi il fait ça. Dommage. Bien joué. Ça par contre c'est bien plus mauvais. Pour Odu. Odu qui va lancer pour Wackpros. Wackpros. Qui est trop sur le gardien là. C'est quoi cette frappe de merde? Oh, c'est quoi cette frappe de merde? Le troisième corner pour la tête. Ouh, qui passe juste à côté. Juste. Ouais. Gardien, je pense qu'il était dessus. Hein. Il est bon ce gardien. Il est très très bon. Allez, ça c'est bien joué, ça, là, la passe au-dessus. Oh, putain, je sais pas pourquoi il a fait un contrôle, ça c'est, je lui ai demandé de faire une frappe directe, et il m'a fait un contrôle, et du coup, bah, il a perdu, il s'est fait quoi qu'il y ait le ballon. Même si c'est presque, ça doit être presque humainement impossible de faire ça pour le gardien, le ballon, il arrive à toute vitesse, et le mec, poum. Ah, bien joué, Odu. Bien joué, Odu. Tu te bats, Odu, je veux pas savoir. Bien joué. La frappe. Oh, elle était pas mal, cette frappe. C'est dommage. Putain, on pousse là en ce début de match. On fait que tirer, mais... Bon, à l'instant, ça rentre pas. Le gardien qui est on fire, là. Entre le gardien qui est on fire et nous, qu'on est un petit peu mauvais. Allez, ça c'est... Ça c'est pour la frappe. Est-ce que aussi c'est le poteau? Est-ce que aussi c'est le poteau qui vient nous emmerder? Putain. Putain, on a fait le gardien 3 fois. Je sais pas, 4 fois même. On a fait le gardien 4 fois. Bien joué. Ouais, c'est la mi-temps. C'est un mi-temps qui va calmer nos ardeurs. Putain, on a fait combien de fois? On a tiré 9 fois. On a tiré 9 fois, quoi. On a tiré 9 fois au but. Et le gardien a toujours été là. Cette passe d'une imprécision, mon grand garçon, tu vas te calmer le sexe de suite. Hein. Tu m'arrêtes de faire des trucs aussi dégueulasses, là. Non, c'est trop pourri ça, putain, j'aurais pas dû frapper, ça en fait toujours une de plus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il foutait là, Finn, là? C'est pas son côté, là. J'aime bien que mes joueurs soient sur leur côté. Il a sauvé la baballe, lui. Bien joué, ça. Putain, la passe, elle était bien lancée. J'ai pas cru qu'il allait l'avoir. Hein. Ça, c'était bien. Oh non, il y a pas faute. Alors là, le tacle, il est totalement propre. Hein. Le tacle, il était totalement propre. Allez. Ah, c'est un peu trop long, ça. Ah non, ça passe. La frappe de Sassé. Qu'est-ce qu'il m'a fait là, Bossetti? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oula, mais c'est long ça. Oh,
Il se fait pousser Fine là. Il s'est fait pousser lenteusement, monsieur l'arbitre. Ah mais ouais, mais là... Ils sont tous en défense là. Là ils se sont mis en défensif. Ils veulent sauver la maison. Oh, par contre, d'une impuissance cette passe. Non mais... Celle-là elle était encore pire. Elle était encore pire, mon garçon. Non, il est pas hors-jeu. Il est pas hors-jeu, il est aligné. Putain. Ouais, bah c'est pareil. Quand je l'ai demandé, il était aligné. Quand il l'a fait, il était hors-jeu. Il est bon quand même, Clark. Faut vraiment qu'on lui trouve un remplaçant aussi, parce que... Il nous sauve bien la baraque, quand même. Il vient lui subtiliser le ballon. Un beau duel en perspective. Allez, en attendant, on marque pas là, les gars. On a fait... C'est bien beau de tirer 40 000 fois au but, mais c'est pour à chaque fois faire de la merde. Nathan Clark. Rossetti. Putain, ça c'est là, il s'est bien émerdé pour bien récupérer de sa boulette là. Terrible suspense avant ce match, tout semble possible. Non, j'ai fait la passe. Je lui ai demandé en première intention la passe, mais visiblement la première intention il connaît pas. C'est quoi ce tacle là, Bossetti là? Ouais, ça c'est, il était joli celui-là par contre. Celui-là il était joli. Le centre. Déjà, il y a une main. Il y a une main. Il y a une main du garçon, là. Bossetti au corner. Pour la tête. Pour Odu. Elle était bien partie, mais allez, corner. Re-corner. Ouais, c'est clair. C'est clair. Là, pour une fois, le commentateur, il dit pas de la merde. La défense qui récupère le ballon sur ce corner. Ballon d'attaque. Et sauf qu'il n'y a plus personne devant. Vous avez vu ça un peu? Oh, la frappe elle était bonne, mais il était pas hors jeu. Putain, j'ai pas cru. Moi j'ai cru qu'elle allait aller plus loin. Oh, en plus il est pas hors jeu. En plus il est pas vraiment hors jeu en fait. Hein. Ah putain, on n'aura pas eu notre vengeance. Putain, pourtant on a essayé, hein. Oh, ça c'est chanceux par contre. Oh, oh, mais je suis en contre-attaque, monsieur l'arbitre, là, tu peux pas siffler, là. Là, putain, j'étais, pour une fois, là, j'étais en... Ça s'est été tout seul. Ouais, c'est dommage. C'est... Là, par contre, Odu, il a totalement chié, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait au dû pour la mettre totalement à côté. Le but était vide, le mec il a tiré quasiment, il l'a rendu au gardien quoi. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Il est fou ce garçon. Sélectionneur de Hongrie, non merci. Proposition de transfert. Mathieu Brodery, Jamie Jones, aucun des deux. Ipswich Town, poste d'entraîneur. Ah ouais. Ipswich Town, non merci. Je reste avec Leighton. Marchand de transfert, ok, Giovanni Simone, c'est lui. Ce qui a une coupe de cheveux totalement bizarre. Et qu'est-ce qu'on a, des mails de joueurs, Léon G, merci coach. C'est ravi de rester. T'as causé salaire, mais t'es blessé mon grand garçon, donc non. On peut pas causer salaire. Baudry, je rejette. Jones, je rejette. Il a 25 ans, Jones. Ouais, je le garde. Hein. T'es fou. Il est bon, hein. Il est bon, hein. Je le garde, hein. Je vais pas le vendre. Hein. On va faire un petit tri, peut-être, dans l'équipe. Voir qu'est-ce qu'on n'utilise pas, finalement. Il a 56, Camille Reyes. Ouais. Oh, c'est possible. Apprêté. Ah, ils sont apprêtés, les deux, c'est vrai. C'est vrai qu'ils s'étaient apprêtés les deux.
J'aurais bien voulu les garder, mais qui partent ailleurs se faire les dents dans un autre club. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retirer de la liste et on va les remettre. On sait jamais, hein, des fois que le jeu s'est dit non, on peut pas les prêter. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a blablabla. L'Azima, peut-être. Sur la liste des prêts. Il a quel âge? 25 ans, il a l'Azima. Qu'est-ce qu'il y a à vendre? Faut regarder qu'est-ce qu'il y a à vendre, c'est important. Non, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a à vendre. Merci. Me donne pas de la merde, s'il te plaît. Le gardien, Marcina, tiens. Ryan Mason. Pourquoi vous le vendez? Ouais, lui, je sais pourquoi. Ah bon? Lui aussi. Lui a pas l'air mauvais. Oh, approché pour une signature expiration de contrat, tu vois. Lucas Scaposi. 23 ans, 700 000 euros. Et oh, ça peut être un. Kevin Osei. Kevin Osei. Traoré. De Paris, j'ai eu mal l'air, blabla. S'en fout. Xavi Rey. Xavi Montoya. Ok. Signé, tiens. C'est expiration de contrat. Il y a des buteurs. Il y a des buteurs à aller chercher pour gratos. Putain, il n'y a pas des gardiens d'ailleurs à aller chercher pour gratuit. Si, approché pour une signature, ouais, mais il est pas très très bon. Lui là, il m'a pas l'air forcément mauvais. Il a une bonne tête, j'aime bien sa tête. Le BU, ouais. Alex Nimini, expiration de contrat aussi, comme avec Lance. 700 000, 8 000 euros de salaire. Et il est pas mauvais, Nimini. Franchement, il est pas mauvais. Avec Lance, je l'aime bien. C'est un gardien aussi. Voilà. Gardien aussi. Nacho Fernandez, tiens. Mais le salaire est tellement important. De toute façon, je reprends pas les gens que j'ai déjà pris dans une autre carrière. Hein. C'est pour ça que je prends pas Varsina, hein, sinon je l'aurais pris de suite. Mais j'essaie d'éviter parce que je veux trouver d'autres joueurs. Denis Edman. Denis Cherichev. Oh, je le prendrai lui aussi. Mon petit Chevy. Mon petit Cherichev. Il est super bon ce Cherichev. Carlos Delgado, tiens. Ah, oh, ça c'est intéressant. Je l'ai pas dans ma liste. Si, si, je l'ai dans ma liste prioritaire. 725 000, 10 000 de salaire. Hoyer, je sais qu'il est pas mauvais non plus, mais bon. J'ai pas forcément besoin de. Curtis Obeng, t'es. J'ai pas forcément besoin de gardien. Je sais qu'il est pas trop mauvais non plus. Mais il est un petit peu vieux. Défenseur. Bon, après ça commence un petit peu à être vieux. Il est toujours à vendre, lui. Bon, l'avantage des vieux, c'est que... Ils coûtent pas cher. Même si on va loin, on peut trouver des gens qui valent rien. Mais il faut les trouver, quand même. Défenseur gauche. Une bonne tête, lui. Jérémy Bréchet. On peut trouver des gens qui valent rien du tout. Vous êtes sûr après. Lui, j'aime bien sa tête. Pinto. Eh, 39 ans quand même. Hein. Putain, à cet âge-là, le jeu il te dit déjà, bah dégage. Mais en fait, non. Pas, ça dépend pas pour tout le monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire défenseur. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à prêter en défenseur gauche.
Est-ce qu'on n'a pas des gens qui pourraient être intéressants? Un défenseur gauche que j'ai pas des... que je connais pas déjà, hein, bien entendu. Parce... Tiens, lui, il a la même gueule que Jidai. Pas très très bon ce que je vois là, hein. Ça fait pas plaisir. Salva Ruiz. Pas forcément intéressant, hein, ce qu'ils ont propose pas des gens. Tiens, lui me semble qu'il est pas mauvais. C'est quoi ton salaire, toi? 4 000. On va s'informer. N'a pas l'air mauvais lui non plus. On va s'informer. C'est quoi ton salaire? 750? Oui, on s'informe sans problème alors. Tiens, lui, il a pas l'air mauvais finalement. Défenseur gauche. Peut jouer milieu gauche. Il est pas mauvais en centre. Enfin, il est normalement pas mauvais en centre. Ouais, assez intéressant aussi ce garçon-là. On va s'informer. On va regarder son prix, son salaire à 3 000. Ce serait parfait. David Lynn. Ouais. On va regarder un tout petit peu. Ouais, donc on a comment il s'appelle? Clark qui s'en va à la fin de la saison. Donc faut prévoir ça aussi. Non, c'est pas ça que je vais voir. J'ai une liste prioritaire normalement. Et tiens, maintenant il veut pas le vendre. 8 000 balles quand même. Hein. 8 000 balles de salaire, ce bâtard. Blablabla. Non, je veux pas des gens sur le côté. Tiens, lui, justement, là. Vous le vendez pas, il valait 400 000. Je peux pas m'informer. Après, c'est combien le salaire? 4 000. On va laisser passer quelques jours. Tiens, je l'ai dans ma liste, le garçon que j'ai demandé, là. 825 000, lui. J'avais déjà quelques pistes alors. Lui, je crois que je. Pourquoi je peux pas m'informer sur les autres? Il y a lui là, 725 000. On peut toujours essayer. C'est lui qu'on m'avait dit qu'il s'informait. Et pour le prêt, c'est 1 000 balles. On va s'informer, on verra bien qu'est-ce qu'on nous dit. N'a pas beaucoup les moyens, non. Pas beaucoup les moyens. Donc on va faire ce match retour contre Aston Villa qui vont vouloir nous casser maintenant. On avait joué comme ça, ils vont jouer avec l'alternatif. Sinon ça va contraster avec le nôtre. Et on a un match dans quelques jours juste après qui vient assez vite. Match contre qui? Je me souviens plus. Je me souviens plus, c'est contre qui le match après? Blackburn Rovers. On fera jouer la bis parce qu'après on a un match de coupe contre on a un match de coupe qui sera pour les prochains épisodes et on va donc jouer avec l'équipe totalement normale sans aucune forme de pitié. Cuthbert, c'est bon, il est ok au fait ou c'est bien un défenseur central? ouais, mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. On va jouer comme ça. L'Azimat de balle devant, ouais, allez. L'Azima, ouais, j'aimerais bien qu'il parte, qu'il aille autre part, ça serait sympa, qu'il se fasse prêter ou pourquoi pas, ou alors que je le vende. Si je peux signer Lucas machin chose pour expiration de contrat là, qui m'a pas l'air mauvais ce garçon là, que je ne connais pas là, le buteur de Manchester City là, que je ne connais pas.
Ça pourrait être sympa. Je le vendrai à ce moment-là, à Zimat, parce que j'ai assez d'attaquants. Hein. J'en ai même un peu trop. Par contre, le problème, c'est que... La frappe! Et le gardien qui est là, sur cette première alerte. Sauf que, oui, sauf que le problème, c'est que l'Azima, il vaut pas grand-chose. J'aurais peut-être pu m'arrêter. Tenter autre chose que la... Voilà. C'est un peu la panique, mais il dégage. Baudry. Baudry, c'est pas un tireur. Oh, dommage. Attention, c'est pas terminé, ça joue. Dommage, dommage, dommage. Comment il a pu envoyer le ballon comme ça derrière lui? C'est totalement impossible. Gardner. Ouh, c'est quoi ce changement d'aile là, monstrueux? Ouais, GG! Toi, Massi là, bravo! Ça, c'était bien joué ça. Le bon contrôle de la poitrine qui m'a totalement guaqué. Ça, ça va sortir. Ça va sortir. On a mis en tout cas une grosse pression dès le début du match là sur Aston Villa. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, bien joué Jones. Franchement, tu m'as sauvé la mise là parce que j'ai pas compris ce qu'il m'a fait là. Je crois que c'était Vince Lowe. J'ai pas du tout compris pourquoi il m'a fait ça. Allez, ouais, c'était quand tu veux, Finn. J'attendais qu'il parte en fait. Et puis finalement, bah, ça n'est jamais venu. Le centre peut-être. Allez, Odu qui récupère, qui renvoie sur Ward-Prowse, sur Sassé. Sassé que je lui demande une passe et qu'il ne me la fait pas. Comment il peut... Oh, le but chanceux qui passe entre tous mes joueurs là. Et le gardien qui se trouve, mon gardien qui se trouve là. On va revoir le ralenti parce que là j'ai évité la première frappe, voilà, je l'ai gêné. Et là il a frappé, mais voilà. Et mon gardien il s'est trouvé là, il s'est fait niquer. Parce que là celle-là il aurait pu l'arrêter facilement, je pense. Mais il s'est fait avoir. Mais bon, c'est un gardien. C'est le gardien d'un joueur, donc du coup, forcément. La frappe! Oh putain, le défenseur qui sauve la mise du gardien parce que là. C'est contré par le défenseur, dommage. Wow. Baudry, la contre-attaque, faut faire attention de la contre-attaque là. Gardner. Ah, ça ne passe pas. Ouais, ça c'est du rebond gratos. Comment ça faute? Vous avez vu, le ballon il est passé à travers les pieds de mon joueur. Le ballon il est passé à travers mon joueur. Les pieds de mon joueur, plus précisément. Allez, on continue d'avancer, les gars. Toi, je t'aime bien, là. Odu, là. Ça fait plaisir. Sauf que là, tu t'es totalement gâché ta course, là. Et le but d'Odu pour l'égalisation à la 37e. Mais il s'était gâché sa course, là, avec son contrôle. Heureusement que le défenseur n'a pas eu le temps de revenir. Et la bonne frappe d'Odu pour faire l'égalisation sous cette pluie battante. J'avais même pas remarqué qu'il pleuvait en fait. Voilà, la frappe premier poteau qui a us le gardien. Et oui, et oui. Ils sont toujours 3e d'ailleurs à Aston Villa. C'était pas pour là, mais. C'était pas pour là, putain. Gardner. J'aime bien la passe. Le mec, il allait plus vite que le ballon. Il était tellement de puissance dans sa passe. Ouais, il le passe pas normalement là. Et là, le replacement là, qui vient même pas faire du pressing. C'est quoi cette.
Oh, ça c'est bien sorti. Putain, la Bossetti me l'aurait sorti, j'aurais dit putain, il a fait tout le boulot au du. Et toi tu lui crames son boulot. Oh non! Qu'est-ce qu'il m'a fait là, ça c'est? Regardez, il a marché sur le ballon alors que là il avait une occasion en or massif là. Et là il avait un 1 contre 1 facile. Et il avait un 1 contre 1 facile là. Et je sais pas qu'est-ce qu'il m'a foutu là, il est parti. Il est parti, il a marché sur le ballon, il est. Pas dans le bon sens en plus. Ça aurait pu partir dans le bon sens hein. Il s'était un petit peu enfermé sur les côtés, il a perdu le ballon. Bon ballon d'attaque. Comment ça, faute? Putain, mais tu peux pas siffler une faute là-dessus, là, monsieur. Enfin, siffler une faute, donner un avantage là-dessus, là, monsieur l'arbitre. C'est honteux, c'est un simple contact, quoi. Monsieur, qu'il a. Putain, ils ont failli me refaire la même, hein. Ils ont failli me refaire le coup du. Non, non, je prends pas le ballon. Non, non, je le laisse là. Non, non, je marche dessus. C'est tellement plus rigolo. Ouh. Là, reviens à la faute. Voilà. J'avais cru qu'il allait pas revenir à la faute. C'est qui? On a que Bossetti. Faire une petite peut-être, mais on va taper dans le mur, voilà. Ce sera un corner. Ce serait bien d'avoir un tireur de corner dans l'équipe. Ce serait plutôt intéressant. Ah, la faute sur Odu là. Non, il n'a pas subi un petit peu hein, une charge un peu trop. Qui c'est qui se casse là? C'est Sassé là. Sassé il s'en va, tu sais. Ta course vers l'intérieur là, je l'attends. Attends, il. What Pros, il était parti, il était bien parti, mais hop, il s'est arrêté, il a reculé. Il est totalement parti. Oula, c'est pas là que j'ai demandé la passe, mais. Tu vas te calmer le sexe quand tu me fais les passes comme ça. Et ouais, parce que là, il y a un. Oh, c'était pas pour lui, mais c'est pas grave. Quoi? Il est. C'était pas pour lui en plus. C'était pas pour lui, c'était pour ben Watt Pros qui est arrivé là. D'ailleurs, il est parti, il est allé faire une course n'importe où après. Par contre, j'avais bien géré avec Finn là. Là, ça faisait but. Là. Ça faisait but, j'avais bien géré. Oh, il a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Il se dispute le contrôle. Oh, putain, ta passe, ça c'est là. Eh, faut plus faire attention sur vos passes, les gars là. Parce que là, ça se dégrade hein. Putain, Bossetti, ça c'est au niveau des passes, ils sont un peu à la rue. Hein. Ils sont un petit peu à la rue, hein, ils me font souvent de la merde. Hein. Allez, Bossetti, voilà, je t'ai vu partir là. Je t'ai vu partir, Bossetti, tu t'arrêtes. La frappe et le but! Le but de Sassé! Ah, sur la bonne passe de Bossetti là. Je me suis arrêté, repiqué dans l'axe, on repasse à Sassé. J'ai espéré que Sassé il fasse pas de la merde. Sur son contrôle surtout. Et finalement il a fait la frappe enchaînée qui est passée. La frappe enchaînée qui est passée et ça fait donc du. Sawyer, t'attends pas que le ballon il vienne comme ça. Oui, en fait il a tiré là. Pour Bossetti là-haut, voilà. C'est très bien, c'est tout à fait ça. Vous avez vu quand le contrôle de balle de Bossetti. Allez, pour Aforetu Massi là, qui est normalement irrattrapable hein, parce qu'il est ultra rapide. Ce sera un corner. Ce sera un corner. Est-ce qu'on fait pas des changements nous aussi? En fait, on a un petit peu tout le monde qui est mort. Ça c'est. Qui c'est qui est petit? On a Bossetti qui est fatigué là-bas. On va faire entrer Volman. Et Volman n'est pas forcément beaucoup plus grand. Ça c'est, il peut jouer sur un côté? Non. Pas censé jouer sur un côté. Alors ce qu'on va faire, c'est on fait ça. Et on va faire entrer. On va faire entrer Bat. On va mettre ça c'est sur un côté.
Le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse rentrer du centre. Sauf que j'ai pas envie que ce soit Bat qui tire. Allez, on va verrouiller, on va tout blinder maintenant. Peut-être non, je sais pas grand monde d'autre. Hein. Ouais, Fine. Fine au corner. Oh là, qui est mal tiré le corner. On va étendre un petit peu la défense là. On fait retour Massy. Non, c'était pas pour là, putain, bande de glandu va. Sur cette interception. Putain, mais réfléchissez un peu quand vous faites des passes, les gars. Et ce ballon qui traîne. La frappe, dommage. Dommage. Bat, il avait fait une bonne récup là. On va faire tirer Fine parce que Bat est un peu plus grand. Même si Fine m'a totalement chié le premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Un carton? Pourquoi donc un carton? Allez, on mène 2 buts à 1 dans ce match contre Aston Villa. C'est Jones qui récupère le ballon. Le 12e homme joue son rôle à fond. Et le 4e avec Khalid qui lui aura 2 minutes de temps additionnel. Oh, ça c'était bien joué par contre. Ça c'est bien joué aussi pour Odu. La frappe et le but d'Odu à la 90e qui vient mettre le coup de massue à Aston Villa. Bien joué Odu. Bien joué Odu. Il a fait la bonne course, il a bien démarré et tout. Il a bien guaqué la défense. Et le but premier poteau, enfin la frappe premier poteau qui donne le but. Le 3 buts à 1. Et c'est juste au coup de sifflet final d'ailleurs. Juste à la fin. La victoire, le doublé d'Odu et le but de Sassé. Contre un but de Silla pour Aston Villa. Et ça nous donne une victoire. Non, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris par ce résultat. C'est tout à fait logique. Le leader, il lead. Il domine. 63 points. On est toujours à 4 points de Norwich. Alors, notre intérêt, 775, 400 000, 325 000. Qu'est-ce qui me parle? Merci, boss. Ah oui, Omosussi, merde, tu m'as demandé du salaire. Bah, tu te fous de ma gueule. Bah, tu te fous de ma gueule. Omosussi, m'a demandé du salaire. 1500? Je te les mets avec plaisir, je te mets 2 ans. Ça te va? C'est bien, 2 ans. Non? Je trouve que c'est pas mal, moi. 1 million, ça fait un peu beaucoup. 1 million. Vous foutez pas un peu de ma gueule, non? On va louer notre équipe, parce qu'on est toujours premier. Donc ils m'ont donné leurs tarifs, qui sont assez énormes. Donc on cherche plutôt un défenseur central et un défenseur gauche, notamment pour l'année prochaine. 775 000. C'est un défenseur gauche, il est pas très bon en centre, ça c'est un peu emmerdant. Et lui, il est pas très bon du tout. Lui, 1 million. Bon, pas l'air très mauvais ce garçon en fait. Il est sur la liste des prêts. Peut-on faire un prêt option d'achat de 600 000. Un prêt avec option d'achat pour le reste de la saison. Pour voir si le joueur nous convient. Je te demande ça. Eh, hey, c'est Cardi. T'as me cassé les couilles. On a 700... Il a 24 ans quand même, Delgado. On a ce monsieur-là qui est plus jeune. Qui m'a l'air, ma foi, fort intéressant. On va faire... Putain, 10 000 ton salaire. Son salaire, il m'a fait changer d'avis. 10 000 sans salaire aussi, bah choisir. Lui, il vaut pas grand chose, mais il est pas très bon. C'est un joueur qu'il faut travailler un peu. Enfin, qu'il faut le faire travailler surtout. Il peut jouer défenseur central, ce garçon-là, non? Lui, il peut jouer autre chose que défenseur droit. Il a, ma foi... Il n'a pas forcément la vitesse pour jouer défenseur droit, par contre. Hein. Il est grand, ce garçon. 84. On va tenter le prêt toute la saison à hauteur de... On va faire la même que pour les autres. Hein. 600 000. Option d'achat de 600 000. Ça nous ferait... Elle nous ferait garder beaucoup de fric, quand même. Hein.
Bon, on va gagner de l'argent quand même. D'ici la fin de la saison. On n'a pas eu de nouveau message, c'est dommage. On a quoi après comme match? On va faire jouer les remplaçants ici. On aura le match contre Sunderland pour le prochain épisode. Parce qu'on a déjà fait 3 matchs. Enfin, c'est le troisième. On est déjà au troisième match. On va jouer comme ça. Ils vont jouer comme ça. On va changer la compo. On va faire du freestyle en compo. On va mettre du Fiola là. Et on va faire revenir Cuthbert. À la place de Clark. Baudry va retrouver son copain. Baudry va retrouver son copain. On va mettre Sherat. Tiens, on va faire jouer un peu Sherat. McLaughlin. McLaughlin donc au niveau de l'intérieur comme ça. On va mettre le Azog en défenseur. Milieu défensif. Devant, on va mettre du Volman et du Bieler. Et devant, on va mettre du Carroll un peu. Et on va laisser Pat Lazima. Ouais. On va laisser ça. Par contre, au niveau là. C'est qui que j'ai pris là? Je veux bien laisser Winslow sur le banc. Finn, on va l'enlever. On va mettre du Camino Reyes. On va mettre du Baldock. Et à la place du Watt Pros. Du Jurjou. Il n'est pas très grand, mais il est rapide. Pour apporter un peu de vitesse. Et Baudry, si jamais Baudry se fatigue, mais on fera rentrer Winslow. Je dis toujours ça, mais je fais jamais de changement au niveau de la défense. Je fais d'ailleurs rarement des changements. Mais bon, c'est pas grave. C'est toujours en prévision de pourquoi pas du peut-être. Du peut-être du pourquoi pas. Et donc on va faire ce match. Je pense qu'on va faire un mercato assez calme. De toute façon, après, c'est toujours des options d'achat. Donc, si on n'a pas les moyens, ben, on prend pas à la fin de la saison. Quoi. Ça, c'était bien joué. Ah, dommage. Dommage, dommage, parce que là. Ça, par contre. Ça, c'était bien joué, par contre. Ça, c'était encore plus bien joué, ça, franchement. Oh, Carole, Carole! Oh, ça, c'était... franchement, ça, c'était beau, ça. Romain Carole, il a assuré, là. Franchement, il m'a totalement surpris, là. Sa qualité technique, il m'a surpris. Bien joué. Oula, c'est un peu trop long ça. Ah non, ce sera pas trop long. Heureusement que le terrain n'est pas glissant. Le centre peut-être. La tête de Carole. Carole, il faisait une tête de derrière. La frappe. Ouh. Elle était pas du tout par là que je voulais la frapper, mais je voulais la frapper dans le coin là-haut. Dans le coin en face de Bieler. Mais ça l'a frappé en plein milieu. Merde. Dommage, Carole n'a pas été assez rapide. En tout cas, il est bien, Carole. Là, il me fait plaisir sur son début de match. Il fait des trucs assez intéressants. Et ça combine pas mal quand même sur leur côté, là. Ce sera le premier corner pour eux. Sur cette bonne défense de Baudry. Ouais, ça fait 3 semaines que Cuthbert, il est OK. Hein. Oula. Pas du tout bien frappé même. Ça fait toujours un tir pour eux. Ils sont quand même très resserrés au milieu du terrain. Hein. Ça se voit. Ça se voit, c'est le caca pour passer. Oula. Qu'est-ce que tu m'as fait, Angie, là? T'as laissé passer le ballon, là? Tu as fait preuve d'une certaine... Oula, qu'est-ce que vous avez avec vos contrôles, les garçons, là? Ouais, excellente interception, bien joué. Allez, Azog, tu l'as, la vitesse. En plus, tu t'es fait totalement guaquer. Ça sort, ça. Ouais, il l'a fait sortir. Il l'a fait sortir tout seul.
C'était pas pour là, mais c'est pas grave. Oh là, la bonne occasion pour Carole. Elle est un peu longue cette frappe, cette passe, mais elle est un peu longue. La frappe de Carole qui passe à côté. Il est totalement gêné dans la surface, moi, l'en tire, monsieur l'arbitre. Il est totalement gêné. Mais il ne m'empêche pas de tirer. Ça, on peut pas compter une faute là-dessus. Oh, ça, c'était bien joué. Ah, ça, c'est bien joué pour Bieler. Bieler, il va faire la même. Et le poteau. Le poteau de Bieler. Ah, ça, c'était bien joué, ça. Bien éviter le retour du garçon. Oui, à droite, il y a du monde. Ah, dommage. La frappe de Carole à côté, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est dommage. Hein. C'est dommage parce qu'il avait bien réagi et tout ça. Il s'était bien mis en position de frappe et encore une fois trop sur le côté, c'est dommage. La finition pêche là. La finition pêche, les gars. C'est pas très bon ça. Il est tombé le garçon. Je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas le mien, je m'en fous. Non, c'était pas pour aussi loin. Putain, ça fait deux trois fois que je fais la même truc là. Oh putain, c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a fait, Volman là? Qu'est-ce qu'il m'a fait, Volman là? Qu'est-ce qu'il est allé me faire un truc totalement débile là? Eh putain, on a fait deux fois le poteau là. Ouais. Franchement, c'est dommage parce que là on mérite de marquer là. On mérite totalement de marquer. Alors, j'espère que ça va pas nous porter préjudice parce que là on a totalement guaqué le début de match. Non, c'était c'est quoi cette passe de merde là? J'aime bien les passes longues quand ils font comme ça là, que ça traverse ta défense, tu sais. T'en as pas un seul de tes joueurs qui est capable de foutre le pied. Non mais... Putain, c'est même pas là que je la demande, la passe en plus. Et le mec il me fait une passe en plein... C'est quoi ça? C'était quoi ça là? J'ai... Hey. Les gars là, ils font arrêter de me faire des trucs comme ça là. Allez, Volman n'était pas parti, mais c'est pas grave, il l'a envoyé assez loin pour que Volman puisse partir. Pour Carole peut-être, non. Bien joué, Carole. Ça, c'est bien, ça. Alors ça, c'est Azog qui m'a fait ça ou... Non, c'est pas Carole. C'est... Putain, ils sont tous les deux aussi grands, là. Sherat et Carole. Donc, du coup, je les confonds. Celle-là, tu me la prends. Tu me la prends, McLaughlin. Tu me la prends. Il n'y a pas faute, là. Il est pas poussé, mon joueur, là. Oh putain, bien joué ça. Sauf que là les gars, il faut partir un peu là. La Carole, t'aurais déjà dû être dans le camp adverse là. Allez, ça c'était bien joué ça. La frappe, dommage. Elle était une bonne petite frappe, il m'a fait là. Une frappounette. Une bonne petite frappounette. Sauf que ce match, il pue soit le vol, soit le match nul. C'est dommage, hein. C'était pas là que je la voulais, c'était là-haut. Mais c'était pas grave, tu fais comme tu veux, mon garçon. C'était pas là non plus que je la voulais, je la voulais un peu plus bas. Le centre. Corner. Ah, je suis en train de me dire. J'espère qu'il va pas me faire une sortie de but. Parce que Volman l'avait touché un peu à la fin. Allez, Baudry, la tête. Voilà, dans les bras du gardien. Dommage, il s'était battu, Baudry. Il s'était battu. Putain, le mec, il s'en sort, quoi.
Il en prend bien des ballons de la tête, Baudry. Hein. Ça c'est bien ça. Alors là, par contre, la passe, elle était totalement dégueulasse. Eh, vas-y, donne-lui le ballon, Kedber, aussi, tiens. Tant que tu y es là. Ça sent la mauvaise passe. Non, ça va. Et on sent que ça peut basculer sur un. Mais... Réfléchis un peu, Carole. Tu crois que Volman, il est aussi rapide que ça? Je crois pas, moi. Peut-être un contre, hein. Il y a faute là. Non, il n'y a pas faute là. Ça compte plus les fautes pour moi. C'est quoi cette passe? J'avais fait un LBY pour Carole devant. Mais visiblement, Bieler, il sait plus ce que c'est, l'LBY. Là, par contre, il y a une belle occasion. Oh non! Qu'est-ce qu'il m'a fait, Volman? Là, c'est de la merde, ça. Ben oui. Avec ce contrôle tout bidon que tu m'as fait, c'est fini? C'est à mi-temps. Ah ouais, c'est fini. Putain. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage, parce que là... Ah, franchement, c'est chiant. Hein. Putain, c'est chiant, on marque plus, là, en ce moment. On marque plus, hein. On marque plus autant qu'avant. Il a accepté, ok. Il a accepté de prendre 2 ans au lieu d'1 an, ça fait plaisir. D'accord, tu veux pas. Tu veux pas. Non, on va pas faire la conférence de presse, ça porte malheur. Tu veux pas. 650 000. Comme si ça faisait une grosse différence, tu sais. 650 000 balles, je te mets. Voilà, tu vas accepter quand même. Putain, là on a un match contre Sunderland et un match contre Arsenal. Ok. L'autre il fait. On va prendre. Hein. Défenseur central. 600 000 euros, il les vaut sûrement pas, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est ce qu'on appelle le guac. Hein. Je suis pas obligé de l'accepter à la fin. Il est là. 68, oh non, ça va. Il est pas très bon physiquement, mais. Il a 20 ans. Et on va le mettre titulaire. Ayan. 1,84, 1,88. Un petit peu plus petit que Baudry. Et Cuthbert qui va... c'était Clark et Cuthbert. Et je vais le passer sur le banc, Cuthbert. Ou alors... je sais pas. On va le laisser là. Et on va faire Clark. Clark il va passer la fin de la saison sur le banc. Non, on verra. Je pense que la type, ce sera comme ça. Et je voudrais voir le défenseur gauche. Donc, du coup, s'il est si bon que ça. Bon, on jouera comme ça. Alors, hein, du coup, on jouera comme ça. On verra si à la fin de cette demi-saison, on arrivera à... Enfin, ce sera sympa. On est en signé pour... Blackburn Rovers. Ils veulent m'acheter Sawyer. Ah bon? Je suis pas au courant. Je suis pas au courant. On m'a rien dit, moi, en tout cas. Hein. J'ai pas eu l'information. Tu peux pas m'en trouver d'autres que ces 3-4 pélos, là. On remarque qu'ils en ont pas trouvé des masses non plus. Mais celui-là qui est pas mal aussi. 825 000. Ouais, ça, c'est un droit. T'as rien, t'as pas de défenseur? Défenseur central, mais j'en ai déjà un maintenant. Défenseur droit, j'ai pas besoin. Toi en Italie, un défenseur gauche, tu m'as trouvé lui. Défenseur central, tu m'as trouvé lui. Lui, t'as un rapport complet. Pas mauvais. En centre, c'est juste ça, ça pêche un peu. Et on tacle. C'est un défenseur qui est pas bon, on tacle. Ça, c'est emmerdant, ça. Mais bon. blablabla, blablabla. Si, tiens, il y a le... Ah, je sais plus à quel club il joue. Ouais, mais c'est un milieu. Ça n'a rien à voir, mais...
Il y a un mec qui est bon, qui joue en première saison. Il joue chez, il est prêté par, je sais plus qui, le Milan AC ou l'Inter, je sais plus. Il est prêté à Brescia, en D2 italienne. Et c'est, il est sur le côté gauche. Je me souviens plus de son prénom, pas de son nom. Et il est très très bon aussi. Donc c'est pour ça, peut-être qu'il aurait été intéressant, mais il doit être un petit peu trop cher pour moi. Mais bon, toujours est-il que, qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. On a fait nos trois matchs. On a fait le match nul contre Birmingham. On a fait la victoire contre Aston Villa. Décidément, Aston Villa, ils sont pas de bol contre nous. Et le match nul contre Blackburn Rovers. Où on a fait voilà, un mauvais, très mauvais match nul. On aurait largement pu gagner. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est deux points qui s'envolent. C'est pas grave, ça fait chier, mais c'est pas grave. Bon, est-ce qu'on en a... Ah, d'accord. D'accord. Bon, bah, ma foi. Ma foi, on verra bien ce que ça donne, mais j'ai jamais joué contre eux. Ça va chier. Europa League. Ah ouais, mais c'est vrai, c'est les 16e. C'est du 16e, non? Alors, qui c'est qui a tiens, Champions League? Blablabla, 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 Marseille. Ils ont, en 8e de finale. Ça doit pas arriver souvent, ça. Super Coupe. Vainqueur de la Super Coupe. Capital One. Et je joue contre Arsenal. Putain, il y avait... Il y a quand même Tottenham en face. C'est quand même Tottenham. C'est pas n'importe quoi, Tottenham. Bon, de toute façon, c'est pas une coupe que je veux gagner, donc... Je la prends juste pour la dotation compétition. En plus, je l'ai même pas joué. Hein. Je joue toujours quand même, mais j'essaie quand même de mettre la meilleure équipe possible. Par contre, là, on va être un peu emmerdé parce que on va jouer Arsenal. Là. Même si je ne joue pas la Capital One, j'ai pas envie d'être non plus totalement ridicule face à Arsenal. Par principe. D'ailleurs, c'est les deux adversaires qu'on avait eu. Ah ouais, mais c'est pas dans cette même carrière. Avec Sunderland, donc on les avait battus en finale de FA Cup. Et Arsenal, je suis battu avec Lens en finale d'Europa League. Fin de deuxième saison. Donc voilà. Donc vous avez tout. Donc voilà, mais on va se laisser ici pour cet épisode. Je vous dis merci de m'avoir regardé. Mettez-moi un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur FIFA 14 ou sur un autre jeu. Ciao.